Cette semaine, dans Étrangeté du vivant, observons ce... serpent couvert d'épines. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors non, j'ai bien vérifié, mais c'est pas une nouvelle espèce de reptile un peu particulière. En fait, c'est un boa constricteur qui s'est retrouvé dans une sacrée galère. Parce qu'avec des dizaines de piquants profondément plantés dans le corps, il ne doit pas être au meilleur de sa forme. Alors, vous avez deviné ce qui se cache là-dedans? Eh ben c'est sûrement un porc-épic, un rongeur arboricole qui est présent au Brésil et qui est réputé pour avoir des piquants immenses. Bon, du coup, je pense que vous avez compris ce qu'il s'est passé. Le boa a tout simplement dévoré ce pauvre porc-épic. Mais retour de karma, manger des épines, ça passe vraiment pas, et c'est comme ça que notre boa s'est retrouvé avec ce look de paillasson. Comme leur nom l'indique, les boas constricteurs enserrent leur proie pour les étouffer avant de les avaler d'un seul coup. En serrant leur proie comme ça, ça bloque leur circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle tout simplement la constriction.